Alors ça, alors moi, les youtubeurs que j'ai découverts cette année et que je préfère, alors d'abord il y a le Topinambour. Voilà. Donc le Topinambour, c'est une chaîne de top, mais vraiment super marrant. Et vous aurez compris le jeu de mots, le top, Inambour, Topinambour. Voilà. Au cas où, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Après, cette année, j'ai découvert H5. C'est un gars qui fait des vidéos. Alors, soit donc des creepypasta. D'ailleurs, bravo les creepypasta. T'as aussi plein de théories sur sa chaîne, ce qui est vraiment pas mal. Et des sujets assez sombres, comme ses vidéos Un jour un tueur, qui est vraiment bien. Après, j'ai découvert Bloqué. Alors là, je vous le recommande vraiment. Avec Orelsan et Gringe, ils sont hilarants. Tous les deux sur leur canapé, super marrant. Alors, Prof Okita, c'est vraiment bien. C'est un youtubeur qui décompose les jeux et il essaye de trouver la science des jeux vidéo. D'ailleurs, sur son logo, il écrit LSDJ, la science des jeux vidéo. Et deux têtes, hein. Donc vraiment, c'est pas mal. Par exemple, est-ce qu'un dragon peut vraiment cracher des flammes? Est-ce qu'un jour on pourra faire un sabre laser? Et aussi, j'ai découvert cette année Didi Chandoudouy. Alors ce gars, c'est vraiment un mec. Gars, c'est vraiment un mec. C'est complètement con ce que je viens de dire. Mais Didi Chandoudouy, sérieusement, je l'adore. Il fait plein de théories. Donc ses vidéos 5 théories sur, c'est vraiment super. Il a fait aussi des théories sur Pokémon qui sont vraiment. J'adore. Sérieusement, Didi, on t'applaudit.